Où il a eu des entretiens avec, avec ses homologues angolais et congolais et rwandais, pardon. Félix Tshisekedi Tshilombo regagne ici, revient, entre ici au stade des martyrs pour s'incliner devant la dépouille mortelle de son père biologique. Étienne Tshisekedi Wamulumba, qui mérite bien les honneurs, très chers téléspectateurs, après avoir mené une lutte acharnée contre la dictature, mesdames et messieurs, après avoir défendu les droits des citoyens pendant longtemps, Félix Tshisekedi Tshilombo, ovationné par le public, il descend de sa jeep. Il va rejoindre sa place au niveau de la tribune. Non, il va directement s'incliner. Regardez bien cette image, très chers téléspectateurs. Il rejoint la chapelle ardente où repose son papa biologique, Étienne Tshisekedi Wamulumba. Il entre, il va s'incliner au-delà des relations de père et fils. Tshisekedi Wamulumba, c'est également un modèle politique pour Félix Tshisekedi Wamulumba, qui bénéficie aujourd'hui, mesdames Bouyal, de la lutte qu'a menée son papa. Une lutte émaillée de beaucoup de soubresauts, nous l'avions dit. Le grand bénéficiaire de cette lutte de Tshisekedi Wamulumba, c'est bien Félix Antoine Tshisekedi, qui aujourd'hui à la magistrature suprême. C'est un héritier politique, et cet héritage politique, on le comprend bien au travers le discours populaire, le peuple d'abord. Souvenez-vous du cantique, il faut rester dans le discours, Félix Bobo Sanaté, papa le bâti. Donc, tous ces gens qui rappellent à Félix le discours de papa, la volonté de papa, ils se considèrent comme tous des héritiers politiques. Et Félix est celui justement qui est appelé à continuer l'action, les actes pensés et construits par Étienne Tshisekedi. Apparemment, il est ému, hein, il rejoint la tribune. Certainement que de loin, il va voir là où est assise sa maman, maman Marthe, qui avait déjà fait son entrée ici au stade des martyrs. Félix qui rejoint sa place. Je rappelle aux téléspectateurs qu'il y a trois places assises là où il va rester. Et qui vont occuper les deux autres chaises. Certainement que ça sera peut-être le Rwandais Paul Kagame. Et pourquoi pas l'Angolais Joao Lourenço. Si jamais ils ne sont pas rentrés. Voilà. Il embrasse sa famille. Il embrasse son papa Leki, qui est aujourd'hui chef de la maison civile. C'est bien la famille présidentielle. Il est très ému, Félix. Il est très ému. Il est très ému. Il est très ému. Il est très ému. Voilà, ce sont ses proches collaborateurs au niveau du parti. Jean-Marc Kaboun, président ad intérim, qui est aujourd'hui vice-président de l'Assemblée nationale. Et Augustin Kabouya, le secrétaire général. Oh là là, quel moment. Voilà, nous sommes un peu emportés hein, par l'ambiance qui règne ici au stade des martyrs. Le président apparemment il est très ému, il revient de l'Anselé où il y a eu tripartite avec ses homologues rwandais et angolais. On annonce également l'arrivée à Kinshasa du président Denis Sassou Nguesso du Congo, de la République du Congo. Ce n'est pas encore confirmé, certainement que nous aurons des précisions de la part de nos amis de la presse présidentielle. Voilà, Félix qui continue à saluer les gens qu'il a trouvés, les invités et quelques membres de sa famille ici présents au stade des martyrs pour rendre les hommages mérités à Étienne Tshisekedi Wamulumba,
son père biologique, également son père politique, parce que tous deux font partie de l'UDPS, un parti politique qui est né il y a de cela 37 ans, qui a lutté pour la démocratie et contre les antivaleurs, notamment la corruption. C'est pratiquement la même ligne de conduite de Tien Tshisekedi que Félix Antoine Tshisekedi est en train de suivre en ce moment à la tête de la magistrature suprême. Vous vous souviendrez, Médard Mbuyal Mangal, de son discours d'investiture au Palais de la Nation, quand il a dit qu'il va lutter contre la corruption.